Nous, les Noirs, on n'a pas liberté, on n'a pas loi en Libye. Nous sommes comme des animaux, nous sommes égaux aux chiens en Libye là-bas. Nous ne sommes rien là-bas. C'est pour cela qu'on prend nos lames pour monter sur ces mers, pour traverser ces Méditerranées. On m'a arrêté sur l'eau là, sur la mer. On m'a envoyé aux prisons. C'est l'Union Europe qui finance les prisonniers qui sont, les gens qui sont arrêtés sur la mer, l'Union Europe qui finance. Ils ont dit de ne pas torturer, donner les habits, donner de manger, donner de l'argent, mais ils ne font pas ça. Ils ne donnent pas l'argent, ils ne donnent pas les habits et puis ils nous frappent chaque jour. On ne mange pas. Et puis si tu voulais sortir, tu payes l'argent. Si tu ne payes pas, tu vas mourir là-bas. J'ai un ami, il est venu avec sa femme. Sa femme a été violée là-bas. Par qui? Par des gens, par des bandits, par des policiers, des gens. Parce qu'actuellement en Libye, tu ne sais pas qui est qui. Même les enfants ont des armes. Des enfants, l'âge de 17, 12, 10 ans. On des armes. Quand tu arrives au bord de l'eau, quand tu as vu de l'eau, quand tu es père, tu dis toi tu ne montes pas, on te tue. J'ai vu qu'ils ont tué trois personnes devant moi. Ça c'était hier. Moi je ne retournerai jamais à Libye. Jamais.